Une merveille. Bonjour, je m'appelle Moha. La recette d'aujourd'hui est une recette purement marrakchi, bien entendu marocaine, et qui date du 11e siècle. Il s'appelle la tangia. Cette recette est composée d'une jarre avec jarret de bœuf, cumin, safran, citron confit, beurre rance ou smen, ou du beurre tout simplement, et un petit peu d'huile d'olive et l'ail. Nous mettons le jarret de bœuf dans la jarre, deux morceaux, du beurre rance ou smen, pistil de safran, demi-citron confit et un demi-déci d'huile d'olive et l'ail. On va bien mélanger nos ingrédients dans notre jarre et on va rajouter un petit demi-verre d'eau. Voilà. Donc après, on va couvrir notre jarre avec du papier glacé ou du papier alimentaire. Alors, on ferme avec une petite ficelle et on va la faire cuire dans un fornaci, c'est-à-dire le four d'un hammam, le four d'un bain turc, qui va être sous la cendre, qui sera enterrée, toute cette partie qui sera enterrée sous la cendre chaude pendant 6 heures. Le même principe de cette recette, on peut la réaliser dans une petite cocotte minute. La durée de cuisson, une demi-heure. Et bien entendu, la recette est exactement pareille, sauf le goût de la jarre n'est pas pareil qu'une cocotte minute. Après 7 heures de cuisson à l'étuvée dans le four de hammam, la tangia est un plat à surprise. On va voir notre plat. Voilà notre tangia qui peut être accompagnée de légumes, mais en principe au Maroc, celle se mange telle qu'elle est. Je vous remercie d'avoir suivi cette recette d'aujourd'hui.